Papa. Ouais. Je peux avoir un médicament. T'es sûr t'en veux? Oui, j'ai mal au ventre là. Dans deux jours, on arrive à la ferme de papier. Il y aura de quoi manger là-bas. Et de quoi te fournir. Je vais acheter de l'exéran. Peut-être des provisions s'ils en vendent. Tu m'attends ici, ok? Pourquoi on se gare pas devant? Est-ce que c'est malpoli de se garer dans la cour des gens? Je te laisse garder la voiture, Diego. T'es un grand garçon maintenant. Je prends ton sac à dos, ok? Ton papa, il est où? Il est parti faire des courses.
Alors, t'as pas dessiné aujourd'hui? Non. Bah. Ça te dirait de me dessiner le cadeau que tu voudrais pour ton anniversaire? Tu lâches toutes tes affaires et tu bouges plus. Laisse le sac. S'il vous plaît, mon fils est malade. Juste quelques boîtes pour le nourrir. J'ai pas de médoc ici. Harry, casse-toi. Laissez-moi juste deux ou trois boîtes. Vous en avez une trentaine. C'est pour mon fils, s'il vous plaît. Je te signale que t'étais en train de me voler, enfoiré. Ton fils est la seule raison qui fait que je te bute pas, là, maintenant. Allez, dégage! Mon fils, il va mourir. Il a faim. Vous souhaitez ça, vous, à votre enfant? Une boîte, une seule, celle-là, là, et tu laisses ton sac. Ok? Écoute, je suis désolé, c'est pour mon fils. Je veux juste deux ou trois boîtes. Laisse-moi juste deux ou trois boîtes pour mon fils. C'est pas pour moi. Quelques boîtes. On aura chacun de quoi vivre au moins une semaine. Je poserai votre pistolet dehors en partant. Maintenant, allez tranquillement au bout de la pièce. Waouh! Joyeux anniversaire. Merci.